désaliénation, cultiver le cerveau monde. Avant propos, nous chérissons les causes des politiques que nous déplorons. Après qu'il eût été courant de mettre à mort les incompris et les handicapés, la société commença à estimer pertinent de les ranger dans la catégorie des fous pour leur conférer des droits ou les traiter comme inférieurs. On créa la discipline médico-psychique pour légitimer cette gestion des hommes par l'homme et un terme corollaire fut inventé, tentative d'explication scientifique globale, sous la forme d'un processus, l'aliénation. En bref, si nous sommes fous, c'est que nous avons subi une réduction de nous-mêmes à un état étranger. Pas seulement différent, mais inconnu et fondamentalement autre voire dangereux. Karl Marx s'est saisi de ce terme d'aliénation pour décrire les conséquences de la division sociale du travail, terrorisme, et du capitalisme. Privé de la possession des moyens de production, privé des méthodes de travail, réduit à une activité parcellaire, coupé du produit final de son travail, Dépendant d'un salaire décorrélé des ventes, le prolétaire ne s'appartient plus, il est rendu aliéné. Pierre Bourdieu ira plus loin, passant un cap décisif. Il ira jusqu'à dire que nous ne sommes jamais vraiment tels qu'en nous-mêmes et que nous sommes une production sociale obtenue par la domination culturelle d'une élite en dotation, disposant face à nous d'une légitimité symbolique. En effet, nous sommes en état d'aliénation parce que nous sommes hypnotisés par des objets culturels promus et vendus par des pompiers pyromanes qui ont le bon goût d'avoir pour eux ce que nous désirons pour nous-mêmes et qu'en les imitant en tout point, nous croyons pouvoir l'acquérir jusqu'à nous sentir réalisés. Aujourd'hui, le mot désaliénation se retrouve essentiellement dans des contenus traitant de l'autodétermination sociale des populations du continent africain et s'oppose comme arme au néocolonialisme culturel et économique. Et, d'une certaine façon, nous sommes tous des Africains en désaliénation. Nous avons tous été emmenés comme du bétail dans une grande ferme-usine qui nous produit nous alimente, nous exploite et nous consomme. Retrouver notre autonomie de destin, recouvrer notre liberté d'action et notre substance en tant qu'être sacré, est pour nous tous une exigence qui s'oppose à cette industrie du genre humain. C'est ici que nous avons besoin de comprendre pour nous évader et nous réapproprier le territoire intellectuel et émotionnel de la vie elle-même. Nous avons été conduits devant les ombres de la caverne, et les puissances culturelles nous ont appris à craindre et à aimer ces ombres selon leurs désirs et leurs aspirations. Ainsi, nous nous sommes conformés aux rêves qui nous étaient offerts manufacturée par les tenants de la légitimité culturelle. Or, cette conformité n'est pas celle de l'essence du vivant dans son expression la plus harmonieuse, mais celle de la posture dans laquelle nous avons vu une solution tactique à nos difficultés, au travers de l'expression de notre potentiel. En cela, il s'agit d'une posture qui, initialement, avait du sens. Néanmoins, il est vite arrivé que cette posture soit employée pour des fins étrangères et malveillantes dans une économie de la prédation sociale. De là est venue l'imposture. Tôt ou tard, l'humain ne se satisfait plus d'être une danseuse d'opérette pour une autorité en quête de domination de l'écosystème. Le besoin de réalisation est un besoin d'émancipation de toute forme de servitude. L'autodétermination des peuples et des individus nécessite l'annulation de l'accord, le refus du consentement, car malheur au vaincu. Pour ne pas être endetté par le marionnettiste, il faut reprendre son autonomie spirituelle, intellectuelle, émotionnelle et physique. Sans quoi, nous sommes livrés au monde de l'imposture. Nous devenons un produit standard d'un mensonge globalisé. Le mondial, qui devrait n'avoir que le meilleur à partager, devient le totalitaire de la mascarade. Nous voilà sur la chaîne de production de la manipulation générale. Le sens, ici, a été agentisé. Il sert les dessins du pouvoir en tant que donnée violente de la politique impérialiste et expansionniste à la faveur d'un petit nombre d'étrangers. Si, à notre niveau, nous cherchons à résoudre ces désordres intérieurs, c'est toujours dans un ça me suffit » du microcosme, assumant avec malaise le fait global du vampirisme des Élyséens. Au contraire, nous tâchons de grandir en affect positif face à l'existence et nous cultivons l'intime comme espace de bien-être. Il nous est pour cela indispensable de ressentir que nous avons de la valeur et de le savoir par les valeurs que nous réalisons en nous. Et si possible, avec la confirmation par autrui, le miroir social. Quoique cela soit inutile à qui on éprouve la réalité dans l'intime. Il va nous rester à établir une corrélation entre le qui nous sommes de cet intime et le qui nous sommes pour notre univers social et ce que nous revendiquons par la même, la part que nous nous octroyons, désirée et mesurée par nous sur la bête, collectivement chassée par la meute. En somme, la dîme de nos efforts, de la tension que nous avons suscitée et de la satisfaction du nombre et des puissants à l'épreuve du moment vécu. Et même si ce n'est pas l'effet qui occupe le rôle essentiel de nos choix, même si prime l'intime et les valeurs réalisées, nous ne saurions renoncer à recevoir le contre-don de ce que nous sommes devenus. C'est ce qui fait que nous confondons souvent notre caractère avec le fait de porter un masque social. Cette confusion est nourrie par la distance parcourue entre l'être et l'avoir. Dans un cas, le paraître est celui de l'authenticité, dans l'autre, il s'agit du paraître de l'affamé. Alors, afin de distinguer un paraître authentique qui exprimera la richesse de notre cœur, nous allons descendre en nous-mêmes dans l'intime c'est ainsi que nous apprenons toute notre vie à nous redécouvrir en affect et en raison en premier afin d'être il y a le fait de sentir ce qui fait sens et qui crée notre enthousiasme et pour en parler il faut tôt ou tard philosopher ce qui nous importe est de revenir au réel de soi et donc de mesurer avec raison qui nous sommes et ce que nous devenons en capturant la richesse. Nous avons appris à penser et à nous représenter le réel à l'aube de l'émergence de notre espèce. De fait, nous avons également appris à compter, à mesurer, à distinguer et à utiliser tout ce qui se trouvait à notre portée. Alors, pourquoi serions-nous aliénés il y a là une idée récurrente, un jugement péremptoire, celui de l'irrationalité supposée des autres. Puisque nous estimons avoir bien compris ce qu'il y avait à comprendre, mais que ne comprenons pas les autres, ou ce en quoi ils croient, c'est qu'ils sont irrationnels. Un tel jugement est destiné à disparaître progressivement à mesure que nous étendons notre connaissance des sciences humaines. Nous y découvrons petit à petit qu'il existe plusieurs sortes de rationalité. On peut parler de rationalité économique, de rationalité en valeur, de rationalité en croyance, de réflexes psychosociaux. À tous les niveaux, nous pensons avoir raison ou pouvoir prouver que nous n'avons pas tort. Et lorsque nous n'y parvenons pas, nous nous appliquons généralement un jugement impérieux. Jugement que nous adoucissons parfois en nous disant que l'erreur est humaine, sans avoir davantage déraciné les causes, demeurées dans le subconscient qui les estime raisonnables. C'est ainsi que nous chérissons les causes des politiques que nous déplorons. Le désordre intérieur n'est pas un état durable. Soit que l'on assume pleinement ses actes, Soit que l'on change de modèle d'action, nous ne pouvons guère supporter d'agir de façon opposée à notre rationalité. Ou bien nous déclarons notre rationalité à un niveau plus important que précédemment, ou bien nous nous rendons vulnérables en le décalant à un niveau inférieur. Mais au juste, de quoi s'agit-il de se désaliéner dans cet ouvrage, nous avons l'ambition de développer la dimension du paradigme, du modèle de croyance qui fait norme et de résoudre un débat important de notre temps qui tend à nous séparer et nous opposer au plus grand bénéfice de ceux-là même pour qui il ne s'agit que d'un théâtre d'ombre. Ce dont il s'agit, c'est de deux conceptions du temps et de l'instant, deux réceptions de la valeur. La première a été le mode hérité des temps anciens et se nomme la tradition. La seconde est le mode employé par les évadés de ce contrôle social qui ont établi leur bannière sur la planète entière, revendiquant les facultés critiques, la science et le progrès. Il s'agit de la modernité. La première nous situe dans une relation au sacré. La seconde nous inféode à une relation au négoce. La tradition nous rattache au temps éternel du divin, la modernité nous colle à la seconde d'après. C'est dans cet entre-deux que se joue la tension sociale et les considérations de la moralité. De là, il est évident que la modernité s'est imposée comme symboliquement légitime pendant plus de deux siècles. Elle a amené dans son cortège la liberté d'expression, la république, la laïcité la consommation de masse, le commerce international, et se prévaut des droits de l'homme, ce qui n'est pas vraiment exact. Ceci se ce réclamant de l'être suprême et d'une nature sacrée des droits. Il apparaît aussi que cette même modernité épuise l'espèce à force de diminuer les aspirations humaines à des questions de marketing. Et donc, tout naturellement, le XXIe siècle, prête l'oreille à l'autre fois s'interroge il se demande si quelque chose n'a pas été perdu en cours de route et ce quelque chose aurait été la sagesse propre à la tradition il se retourne alors vers les mythes anciens délaissant ceux des lumières et des révolutions modernes c'est ainsi que partout nous assistons à l'aspiration à l'éveil et que nous contemplons un attroupement qui souhaitent régénérer le monde spirituel abandonné par les modernes Nietzschéens. Il y a là une vertu du bon sens qui s'exerce. Après avoir constaté l'échec de la tradition et l'insuffisance de la modernité, les humains sont en recherche d'une substance qui les animerait sans les égarer. Et s'il faut pour cela rendre commun le délire, le social en sera régénéré. Serait-ce un nouveau piège de l'architecte du mensonge Allons-nous vers la plénitude ou nous enfonçons-nous dans ce que le moderne qualifie d'illusion, et qu'il a savamment exclu du champ de la raison par sa propre volonté de demeurer rationnel dans ses valeurs et dans son mythe Force est d'admettre que de tous ceux qui s'aventurent dans le merveilleux monde de la spiritualité, beaucoup y avalent une pilule amère, de par l'interprétation, préparation à l'expérience sociale. Et ainsi, nous avons pu contempler la place prise par le développement personnel et le coaching, car en fin de compte, ce souci du lien avec là-haut néglige beaucoup la compréhension de l'ici. L'œuvre d'élévation est en cela une drogue, une fuite, et le sage n'en est pas dupe. Il sait qu'il lui convient dans son exercice de se méfier d'abord de lui-même et de toute énergie qui passe est portée par une physique qui affecte l'âme et l'esprit sur laquelle il intervient tel un magicien. C'est bien cette magie qu'il s'agit d'acquérir et pour cela la connaissance est la clé. Ainsi, on ne fabrique pas un avion sans train d'atterrissage. Voilà pourquoi les sciences humaines, souvent négligées, sont ici nécessaires, puisqu'il s'agit d'une libération collective, globale, commençant par notre pouvoir de mesurer ce qui nous entoure et d'avoir prise sur le réel. La spiritualité n'est pas maîtresse en son empire. Les religions ont été victimes de modèles d'organisation qui finissent par devenir des institutions faisant barrière entre la motivation à s'élever en conscience et la réalisation des pratiques religieuses obligatoires. Nous devenons des agents de l'ordre social, là où nous cherchions à recouvrer notre souveraineté. C'est la raison principale pour laquelle le fait social religieux ou traditionnel a échoué à donner du sens jusqu'à nos générations. De fait, il convient d'introduire une sociologie et une science politique dans l'étude pour définir une manière de nous unir qui ne soit plus liberticide ni amorale. Il s'agit de réveiller et de développer chaque acteur de sorte à lui donner les moyens de s'émanciper des structures et non pas d'en dépendre au plus haut point. Ainsi donc, le travail qui nous reste à accomplir est d'unifier les sciences humaines et la spiritualité dans une sorte de voie du milieu, d'interconnexion. Cela consiste à additionner ces deux approches techniques du progrès humain plutôt que de les soustraire. Il est aussi important de reconnaître l'immanence de l'esprit dans l'histoire humaine que d'identifier comment la socialisation et les besoins politiques ont donné l'essentiel de son contenu aux devises et décisions prises par les spirituels. Et là, où ils agissaient en thérapeute du social, comprendre comment la sacralisation des modalités a donné lieu à ces grands léviathans culturels que sont les cultes nourrissant des matrices coupées du cheminement spontané des générations vers la réalisation. Par la sociologie, la psychologie sociale, l'histoire des représentations, nous pouvons identifier comment ces engins sont, se sont rendus d'abord légitimes pour les masses, puis illégitimes face aux sciences positives. Et il nous faudra également trancher entre positivisme et tradition dans cette même attitude d'interconnexion, afin de ne léser ni les plans supérieurs, ni les lois de notre condition expérientielle de l'existence humaine. Ceci aura l'avantage de nous aider à sortir des jugements de valeur si communs qui distinguent l'homme moderne et son semblable. Ni l'idéologie, ni le mode de vie qui nous distingue en tant qu'exemples uniques de la nature ne sont à mettre en cause. Ni la loi du groupe, ni l'inspiration, ni le culte ne justifient que nous allions nous chercher dans l'imitation pour nous y perdre. Bien au contraire, la connaissance des circonstances adaptées à l'action en tant que science est à la fois politique et spirituelle et pour la même raison, parce que l'action construit le résultat, les moyens font les fins. De cet espace partagé entre pragmatisme et volonté, nous pouvons dire que nous allons réinventer des propositions appartenant au domaine des arts et qui, si elles ne sont pas étrangères à ceux qui les pratiquent, demeurent dans un no man's land culturel sur le plan intellectuel. Secret de la fabrique de sens. Les des artistes vécus dans l'intime, il nous appartient d'en faire la théorie provisoire en partant à nouveau des finalités. Rassemblant ce qui est tenu séparé, nous allons ainsi à la conquête d'une nouvelle frontière. Nous tâcherons d'y établir notre conscience avec assez d'acuité et d'efficience pour disposer, face à ceux qui demeurent dans la division, de la certitude de notre puissance intellectuelle et morale. Et ensemble, nous pourrons devenir les jardiniers du cerveau-monde.